Yo les gars, c'est GMGNO pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va continuer un quart de Salford, les gars, comme d'habitude. Donc, la quart de Salford, c'est quoi? C'est tout simplement l'ascension d'un petit club qui est Salford de la D4 anglaise à la Ligue des Champions. L'objectif, ce sera de simplement choisir un club peu connu. Voilà, Salford qui est en D3 ou D4. J'ai pris D4. Et on le fait progresser jusqu'à atteindre la Ligue des Champions. Le but, c'est de montrer tout. Tout ce qu'on fait, tous nos matchs simulés, je vous les montre. Je jouerai un match dans la vidéo, je jouerai les jeunes. Et voilà. Donc, notre équipe, quand on s'était laissé du dernier épisode, si j'arrive à le dire, c'était celle-ci avec Kouassi, Woodburn, Chester, Forna, Ashley, Enmei, Lewis, Ngrou, Elander, Edwards et Young. On avait des petits jeunes, on avait un tournoi, oui, on a un tournoi, donc on va directement aller. Je vais faire le premier match, on se retrouve à la fin du match, je vous mets en accéléré, c'est parti. Il y a une victoire qui fait du bien, Bridge homme du match. Franchement, ça a été compliqué ce match. Ça a été clairement compliqué. Je ne sais plus si j'ai récupéré de nouveaux jeunes. Donc non. J'ai toujours les mêmes. Peut-être Bridge. Non, Bridge, il joue déjà avec nous en plus. Il y avait Adam. On a les deux gardiens. Donc ouais, Cardozo à la limite qui est arrivé. Mais elle reste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut déjà le promouvoir, c'est chaud. Donc comme on avait fait dans la dernière vidéo, on a pris trois nouveaux rapports. Et je pense qu'il y a zéro profit partout, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire combien de matchs? Et quel match va-t-on faire? Je pense qu'on va faire surtout jusque... On va terminer ce mois-ci également et on va terminer ce mois-là. On va terminer jusqu'au 31 janvier. Ouais, je pense bien. Je pense bien et je pense qu'on jouera ce match. Donc là, on va simuler deux matchs. Puis après, on va refaire un match du tournoi. De toute manière, les simulations, je vais vous les mettre un petit peu plus en... Pas en accéléré, juste vous verrez juste les scores. Les victoires, les gars. Ça fait plaisir. Nouvelle victoire. 2-0, Woodburn, Edwards. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une victoire avec un but de Enmei à 10 minutes de la fin. Pour un nouveau match du tournoi des jeunes face à Barrow, on va aller voir l'effectif, toujours on ne sait jamais. Peut-être que, eh bien, non, vous voyez, il n'y a que nos joueurs qu'il nous faut. Est-ce que je peux changer la compo? On doit rester comme ça. On va rester comme ça alors. C'est parti, on se retrouve à la fin du match.
C'est terminé les gars, défaite. Bon. Ça fait mal, mais bon. Franchement, c'est pas que c'est démérité. Franchement, ils ont bien joué. J'ai été incapable de tenir. Match face à Grimsby. C'est parti. Victoire 4-1 Woodburn, triplé plus un but de Kwasi. Et on fera une victoire 0-1 avec Forna qui marque. Match désormais face à Tranmere Rovers. En coupe encore une fois. Le 10e contre le 5e. Nous sommes 10e, ils sont 5e. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on fait une victoire avec Woodburn et Kwasi qui marque encore une fois. Kwasi et Woodburn, c'est vraiment nos deux buteurs numéro 1 pour l'instant. Avec une suspension et une défaite 3-1. Mais Woodburn marque encore une fois. Match de nouveau en Coupe de Bristol Street contre Harrogate Town. Je ne sais pas si c'est encore le. Ouais, c'est encore. On est à 6 points pour l'instant. 6 points aux 4 victoires. Là, on se qualifie pour le prochain tour, je pense. Et ce sera une victoire 2-1 avec Enmei et Kouassi. Match face à Three Down Town. 18e contre nous, 10e. Mais la position ne sert à rien. Je sais qu'on ne va pas gagner. 2-2, Woodburn et Forna et Oforo et Clark de l'autre côté. Match de nouveau en League 2 contre Fleet Town. Ils sont premiers, on est 9e. Alors là, si on gagne, c'est un miracle. Même si je ne m'attends pas à gagner contre eux, ils sont premiers et victoire de leur part. Match face à. Attendez, quel est votre milieu pour l'équipe de l'année de l'Euro 2024? L'Euro 2024, carrément. Eh bah. Match face à Chesterfield, Salford City. Chesterfield, tout simplement. Ils sont 9e, ils ont pris notre place. Nous, on est 12e. Ah, comme la saison va super vite à cause de ça. Et ce sera une défaite 2-0. Je pense qu'on va faire tourner, on va faire jouer un petit peu notre gardien numéro 2. On a des joueurs, les gars, à aller voir. Enfin, en tout cas, on en a un à aller voir déjà. Donc, on a Rodriguez, 16 ans. Potentiel jusqu'à 65, ça ne sert à rien. Ce n'est pas bon. On continue, on va voir là. Est-ce qu'il y a des joueurs? Oui, on en a pas mal. Lui, il va faire quelque chose. On a ensuite lui, on va le prendre également. Lui, non, il va rien faire. Et lui, ah, je dois tous les rejeter en fait. On pas autorisé, nous n'avons pas la capacité financière. Donc je dois attendre avant de recruter. Est-ce que j'ai pu avoir le jeune espagnol? Ah, c'est lui Caballero, 52. 56 Caballero. Nouveau bon milieu de terrain pour nous. Ça fait plaisir. Mais on n'a plus de sous pour le reste. On va continuer la saison. Si on peut avoir quelques petits départs, on les fera. Et là, le match face à Bormley Football Club. C'est parti, on est 14e, ils sont 12e. On est en train de descendre tout doucement vers les enfers, j'ai l'impression. Et une victoire 3-1 avec Enmei, Woodburn et Forna. Match maintenant face à Sweet Down Town. Le 17e contre le 12e. Un match important pour nous. Si on gagne, on peut avancer plus loin. Et on avance plus loin avec des buts de Enmei et de Kouassi. Match désormais entre le 10e et le 9e. Notts County contre nous. Ils sont 10e, on est 9e, ils gagnent, ils nous dépassent. C'est clair et net. Et on fait match nul, donc ils ne nous dépassent pas. Ça, c'est plutôt chouette, même si je pense qu'on va se faire dépasser par d'autres équipes, du coup. Et voilà, les gars, notre match de coupe que je vais jouer, ce sera contre Tottenham. Je vais utiliser quel compo pour ce match? Eh bien, pas de Woodburn, il est suspendu. Notre meilleur joueur est suspendu. Je vais prendre Montero. Montero, il est bon ou pas? Ouais, je vais le faire jouer Montero dans le milieu. Ou bien je mettrai Davis. Ouais, je vais mettre Davis là. Voilà, on va jouer comme ça. Et c'est parti directement. On se retrouve à la fin du match. Voilà, les gars, fin du match. Donc, on s'est pris le deuxième à la 45e. J'ai simulé, j'ai abandonné. Forna a marqué pour nous, mais on perd contre Tottenham. Ce qui est normal dans la logique des choses. C'est quand même une équipe du top 4. Match face à Notts County je ne sais plus comment ça s'appelle, BSM Trophy. On est au deuxième tour. On est au deuxième tour. Pourquoi pas tenter d'aller en huitième, en demi? Pourquoi pas, je me dis. C'est parti pour le match.
Eh bien, on fera quoi dès le début? Eh bien, on perd déjà au penalty. Et voilà, ça s'arrête déjà là maintenant. Là maintenant, on nous a dit c'est ciao. C'est ciao. Bon, les gars, j'ai décidé. J'ai prolongé les joueurs que j'avais vraiment besoin. Eux deux, j'ai pas su les prolonger, mais pourquoi pas les acheter la saison prochaine en cas de bonne saison et qu'on recrute beaucoup de. Qu'on ait beaucoup d'argent. Eux, ça ne sert à rien. 22 ans, lui, pourquoi pas en vrai? Mais le reste, Chester, 35 ans, 35 ans, Olapide, on va le prendre aussi. Mais le reste, 28 ans, ouais, non. Donc voilà, on ne va pas prolonger. Je vais être franc, Adé, Lekune, bon. Match face à Wimbledon, et qu'est-ce qu'on va faire? Début de saison, on avait perdu, et là, on perd de nouveau. Aïe, aïe, aïe. Notre saison est compliquée, on est bon, puis on devient mauvais, on est bon, puis on devient mauvais. Et là, nous allons jouer en 3 matchs, 3 jours face à l'équipe 19e du championnat qui est Don Coaster Reverse. Et là, on ne peut pas se permettre de perdre. On perd. On dit adieu à une potentielle montée dans le futur. On dit adieu à une potentielle montée dans le futur. C'est parti pour le match face à Barrow AFC, 13e, nous 10e. On stagne vraiment à une position de 10e. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau match nul. On n'arrive plus à gagner n'importe quel match. Ça devient vraiment compliqué pour l'instant. Et voilà, on va rejouer un match face à un club de 22e cette saison. On va aller voir les transferts. J'ai vu qu'il y a des transferts possibles. Malcolm, je ne vais pas jouer. On va accepter. On va accepter de le vendre. On va déléguer et on va déléguer. Voilà. On continue les gars donc. Victoire 3-0, triplé de Kouassi. Oui, triplé de Kouassi. Si ça c'est pas beau les gars, dites-moi ce que c'est. Mais on est vraiment dans le caca pour l'instant. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a deux offres. On va aller voir ce que c'est. Elles ont déjà été acceptées. On va avancer d'une heure. Et voilà, départ de Minonga. Mais ce qu'on va faire les gars, on va s'arrêter là-dessus. J'espère. En tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. C'était GM Geno. Hey, ciao. Peace.